derrière moi. Ou devant moi plutôt, ça sera mieux, parce que derrière on va avoir un problème. Donc la dernière partie musicale ce soir, c'est David Grubbs. Merci. Que vous avez vu dans trio avec Chris il y a quelques minutes. David Grubbs, donc le représentant de Chicago ce soir, il a joué dans. Enfin, il a participé au film que vous verrez après pour les vraiment, vraiment courageux, qui s'appelle Parallax Sounds, qu'on diffusera dès que le concert sera terminé. David a fait trois morceaux, deux morceaux pour le film. Donc on fait dans l'autre sens. Maintenant, d'abord vous le voyez en vrai, et puis après vous le verrez en film. Voilà. Merci beaucoup. David. Merci Sébastien. Je vais jouer quelques morceaux du nouvel album qui s'appelle The Plain Where the Palace Stood. Et aussi je vais jouer les deux chansons que j'ai écrites pour Parallax Sounds. Thank you.
something like this. Well, I started to live when my barber died. My hair grew curly, my sideburns wide. That's it. I just remember two lines broadcasted from coast to coast. Let me know when you track it down. It won't be found. Still the voice doesn't age. Thank you.
exposing, disclosing. Well, the boat climbs the wave. The wave climbs the boat. The boat climbs the wave. The wave climbs the boat. In the thank you.
you. I'll say this in English because we'd be here all night if I tried to say it in French. I want to play a very short set because I want you all to see the film Parallax Sounds. I'm going to play one more new song that's called The Cooler Side of the Pillow. It's about snorkeling and following an octopus around and watching this octopus flip rock after rock like it was searching for the cooler side of the pillow. Just a few steps from the shore, we plunge into the surf once more, curious to see who's out. Vision's just a flashlight's beam. Which of you don't mind being seen? Or trail on your evening swim? Merci, merci à Sebastian, merci à Lydia, merci à Weasel, merci à Lise, ses amis, et merci à Art, et merci à vous. Bon, ben maintenant, on peut repasser à l'amphithéâtre pour attaquer le deuxième film. J'espère qu'il y aura... Ça vaut vraiment la peine. Ce serait dommage qu'il n'y ait plus que trois personnes pour le regarder. Donc c'est un très très beau film sur Chicago avec Steve Albini, avec David Krubs, avec Ken Vandermark, enfin toute la scène de Chicago qui est dedans. Et c'est un film qui montre très très bien la ville. Autant New York était complètement délabré dans le premier film, autant Chicago est assez, assez beau à voir dans ce film. Donc si vous pouvez y rester, même... Je vais regarder un petit peu, n'hésitez pas, voilà, c'est exactement au même endroit, il y a juste la pièce là à traverser. Merci.